jolie cascade. C'est de toute beauté. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rouler avec Mathieu. Mathieu, je t'ai déjà fait les présentations pour la Transpyrénéenne, je te mets le lien là-haut. Et chose incroyable, il est déjà là. Et donc on va rouler et on va aller se faire une petite virée. Il avait un rendez-vous à Escragnol cet après-midi. Donc on va faire une petite virée, manger un bout sur le passage. Et ce soir, nous allons à la manche du championnat du monde de trial au Palais Nikaya. Et on va bien se régaler. Allez, je fais le plein. Et on se retrouve juste après. Alors, on va essayer de doubler cette voiture. Parce que ce petit bout de route est vraiment top. Moi, je ne m'en lasse pas. La vue est magnifique. Ça tourne bien cool. C'est la route qui part de Carrosse-les-Plans et qui mène à Bouillon. Imagine que tu connais si t'es du coin. Lac du Broc est bien rempli, ça fait plaisir à voir. Vu qu'il a été complètement asséché pendant toutes ces périodes de sécheresse et de restrictions d'eau. Ça fait plaisir à voir. Et voilà la vue du village de Bouillon. Ça déchire quand même. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, même habitant ici et passant par ce village régulièrement, je ne m'en lasse jamais. Vraiment des routes extraordinaires. On ne va pas en ligne droite pendant plus de 100 mètres. Si ça, c'est pas un bonheur, qu'est-ce que ça peut être? Alors, on va arriver au pont où j'ai eu droit à mon premier contrôle de papier par la gendarmerie. Et ils étaient vraiment très sympas. Et le gendarme qui m'a contrôlé m'a sorti une phrase qui m'a marqué parce que c'était vraiment sympa. Je regarde mon permis et il me dit: oh, respect, que le permis moto, ça c'est beau. On fait un saut juste par là, il y a un petit pont que j'ai envie de voir et peut-être de filmer. Puis on fait demi-tour. Bon, et après on peut prendre un petit café à Gourdon. Voilà, on est à côté. Hein. Il s'agit du pont du Tuve, à côté de Gourdon. Ça faisait un moment que je voulais le filmer, mais j'attendais que la cascade en amont soit en eau. Et c'est pour aujourd'hui. Jolie cascade. Parfait.
Après cette pause drone et un bon café, nous reprenons la route vers notre prochain spot, le plateau de Kossol. Plein de parapentes. Col de l'Ecre. Bravo à tous ceux qui arrivent ici en vélo. Le plateau de Kossol est situé dans les hauteurs du Haut Pays Grassois. Il est à environ 1100 mètres d'altitude. Nous nous dirigeons maintenant vers le plateau de Calerne, sur lequel se trouve un observatoire. Éteignez vos phares, allumez vos lanternes. Très bon. L'observatoire de Calerne. J'avoue que je suis passé des dizaines de fois à Kossol sans jamais être monté ici. Tu vas voir, c'est surprenant. J'ai bien aimé le panneau. Éteignez vos phares, allumez vos lanternes. Très bon. C'est des comiques. Ces bulles sont tout droit issues de l'esprit de l'architecte Antti Lovag, créateur du plus connu palais bulle de Pierre Cardin, à Théoule-sur-Mer. Intégré dans ce décor exceptionnel, entouré de ses coupoles, cela crée un véritable paysage lunaire. À table ? Et pour manger ce midi, j'ai prévu de m'arrêter à l'auberge de Kossol. Un cadre super sympa et de bons petits plats. Bon, par contre, la sieste devra attendre. Direction Andon et Lodiberg. Col de la Ciné. C'est mignon par ici, Andon, constitué de petits chalets. Bonjour petite Anne. C'est très joli par ici, magnifique. C'est vraiment magnifique par ici. C'est de toute beauté. On croirait vraiment au milieu de nulle part. Avec ses forêts, ses sous-bois, quelques petites taches de neige par-ci par-là. Cette magnifique barre rocheuse sur le côté. C'est un bonheur, vraiment vraiment chouette. Mathieu prend les rênes, je ne sais pas où il peut m'emmener, mais visiblement il connaît par ici.
sur la route de Mons. Ah bah, disons que le panorama est plutôt cool. Ah, c'est la maison là? D'accord. On est à côté de la maison. Une maison de famille de Mathieu. C'est un peu la raison d'être venu par ici aujourd'hui. Et vu qu'on a un peu de temps devant nous avant l'heure de rendez-vous avec des ouvriers qui viennent voir la maison, on va aller voir une piste que Mathieu prenait quand il était gamin. Eh ben, c'était bien la peine d'aller sur des chemins pour se retrouver derrière une voiture. Allez, on a encore du temps devant nous. Alors, on fait un petit crochet par Mons. Ah, les gens qui vivent ici sont plutôt tranquilles, hein. Ils sont pas embêtés par le voisinage. Petite rivière qui passe sur le côté. En contrebas, sur la droite, on aperçoit le village de Mons. Café ? Et ce sera un café avec vue, s'il vous plaît. Les Alpes maritimes. La voilà. C'est mignon par ici. Il y a 4000 mètres carrés de terrain. Ouais. Elle est mignonne. À savoir donc que cette jolie maison, bâtie par le père de Mathieu, est dans son jus depuis quelques années. Ça lui confère un cachet certain, mais il y aura pas mal de boulot pour la retaper. Bon, c'est pas tout, mais on doit être à Nice avant 19h30.
Ce soir, nous retrouvons David et Hugo pour voir une manche du championnat du monde de X-Trial au Palais Nikaya. Alors, en route! Ne t'en vois pas de suite, je t'ai préparé un petit bout de ce super spectacle. Mais avant tout ça, pense à t'abonner, liker, et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, Tolibo, regardez et je vous invite à regarder attentivement le pilotage de ce pilote. La moto paraît beaucoup plus légère que les autres motos, mais je vous assure que c'est la même moto que Marcelli, même poids, même puissance, mais regardez la différence. Et ça n'a pas touché. Je peux vous assurer que si vous faites du bruit, du début à la fin de chaque zone, il peut faire 40 secondes pour effectuer la zone numéro 1. Et on enchaîne, et on enchaîne. Et regardez la sortie, c'est fait. Regardez le chrono, 3 minutes 42 il lui reste, c'est incroyable. Et regardez, le suiveur ne se met même pas en position sur l'échelle. Regardez ce qu'il fait Tolibo. Regardez l'enchaînement, il pose à nouveau, le suiveur est juste derrière pour lui donner le timing, même pas pour la sécurité, juste qu'il est capable de faire les zones tout seul. Monsieur Tolibo, dans ses œuvres, la sortie de la zone qui ne pose pas de problème, va-t-il être le premier à aller dans les caisses? Oui, la descente, roue arrière, roue avant, le passage maintenant de la sortie de la zone, et regardez le timing. Et si vous en voulez encore, il va falloir faire du bruit là maintenant. On a compris que dans cette zone-là, Pelo Amigas avait réalisé un passage incroyable. Tolibo. Et je veux que vous fassiez du bruit. Il faut que un carter moteur posé par sécurité, juste parce qu'il préfère assurer. Il a du temps, Tolibo, qui n'attend que la sortie de cette zone pour aller vous faire un plaisir, peut-être dans les rochers. Tolibo, un point de pénalité seulement depuis le départ. Allez, Nice fait du bruit. Parfait, la sortie. Allez, une minute pour terminer la zone. Il est capable de le faire, Tony. Il vous attend. Il veut que vous fassiez un petit peu de bruit pour aller avec lui. Pour aller avec lui. Allez, il faut y aller. Monsieur Tolibo, dans ses heures, Monsieur Tolibo, un point de pénalité depuis le départ. Va-t-il enchaîner un zéro de plus? Eh bien, il suffit de le lui demander. Et regardez, on y va! Monsieur Tolibo! Je vous demande à tous les deux de venir remettre la coupe au plus grand, au plus grand pilote du monde. Et monsieur Metati, le maire de la Gode, pour remettre cette coupe à monsieur Tolibo! Si vous voulez. Yeah.